Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Les Secrets de Nana. Nous sommes dimanche 14 juillet 2024, c'est parti pour les arrivages Lidl. Et là je suis dans le tout nouveau Lidl d'Alès. Allez, aujourd'hui c'est salle de bain et vélo. On commence par les sèche-cheveux à technologie ou ionique, 14,99€, 2200 watts. Ils existent en noir et gris, en violet, donc avec le diffuseur d'air, donc la touche froid, les trois vitesses, les trois niveaux de chaleur, deux vitesses, trois niveaux de chaleur, 14,99€. Les serviettes éponges, 14,99€. Les six pièces, donc on a du bleu, du gris, du bleu turquoise, du bleu foncé, donc six pièces, drap de bain, il y a deux draps de bain. Deux serviettes 50,90€ et deux serviettes invitées. Les mules de bain, alors on a les bleus et noirs, donc hommes, 3,89€. Et on a aussi celle-ci pour les enfants, 3,49€. Oh tiens, c'est la première année où ils font ces mules-là pour enfants. Donc 3,49€ la paire. Il y a du mauve et du bleu. Alors je crois qu'il y a aussi du mauve et du bleu côté femme. On les verra un peu plus loin dans la vidéo. On a les pinceaux de maquillage, les 14 pièces à 8,99€. Set de maquillage, poil très souple, 100% synthétique. Donc on a tout, on a pour les cils, les sourcils, ombre à paupières, on a quasiment tous les applicateurs. 8,99€. Les miroirs cosmétiques LED, 16,99€. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 4 zones avec la vue normale. Donc il est inclinable. Deux niveaux de grossissement. Voilà, c'est 2 fois, 5 fois. Donc là, il y a la petite vue normale. Pieds antidérapants. Puis là, on a pour pouvoir poser ses bagues, ses petits bijoux. 16,99€. Les brosses à cheveux avec apport de paille, 1,99€. C'est ces fameuses brosses qui prennent quand vous brossez forme du crâne, donc ça fait moins mal. 1,99€. Le set de manicure, 9,99€. Manicure et pédicure. J'avais acheté un set comme ça ici, mais je me souviens plus c'est quel modèle. Donc avec les différents embouts. Après, on a l'appareil anti-callosité. Il est à 8,99€ avec fonction d'aspiration innovante. Alors, c'est pas mal parce que ça va aspirer les peaux mortes. Pèse personne, 7,99€ en vert. On a le noir ou le gris. Donc, 4 capteurs pour une mesure précise du poids. 7,99€. Tiens, brosse nettoyante visage, 9,99€ avec les 4 embouts. Brosse de massage, brosse pour gommage, brosse pour peau sensible et brosse normale. Alors ça, c'est très bien, ça permet vraiment de nettoyer la peau. Mais attention, on ne l'utilise pas au quotidien. Après, j'ai envie de dire, ça va dépendre évidemment de votre peau. 9,99€. Elle est bien celle-ci, je ne l'avais jamais vue dans les arrivages, tiens. Le distributeur électrique, 7,99€. Oh, ça me rappelle les années 2020. distributeur de savon, de désinfectant. Alors c'est bien parce qu'on n'a pas besoin du coup de toucher le distributeur. Il est à détecteur. La brosse soufflante, 9,99€. Deux températures, donc pour sécher et coiffer les cheveux facilement et en douceur en une seule étape. On a les mitigeurs de lavabo, 29,99€. On a deux couleurs, couleur acier ou noir. Alors, petit retour d'expérience. J'ai mis un mitigeur comme ça dans ma salle de bain. Bon, je ne l'ai pas acheté ici, hein. C'était pas pour le style de la marque ou le modèle, hein. C'était pour la couleur. J'ai un évier blanc, un vasque blanc, et en fait j'ai mis du noir, donc j'ai mis plusieurs petits rappels de noir,
Et à regret, parce que c'est super beau, c'est vrai, c'est original et tout, mais franchement, à nettoyer, c'est vraiment embêtant. Et en fait, c'est embêtant parce que on voit tout de suite le calcaire. Après, je ne sais pas tous les combien de temps vous allez nettoyer à fond votre robinet. Après, bon, c'est vrai, moi, je vais passer un coup, bien sûr, pour nettoyer. Mais comme le calcaire, il va rester, donc c'est vraiment des nettoyages à fond qu'il faut faire, parce que sinon, ça fait plein de trucs blancs et ça a tendance à vite s'abîmer. Mais c'est très beau. 29,99. D'ailleurs, on a les pommeaux de douche comme ça, on a le noir, si on veut mettre une petite touche noire. 6,99. On a celui-là, celui-là et celui-là. Donc il y a trois jets. Celui-là, raccord conique-rotatif, économiseur d'eau. Ils ont tous des économiseurs d'eau. Hein. Les abattants WC, 14,99 €. Attention les abattants WC parce que ça va dépendre du modèle de toilette. Alors même si souvent on voit standard, faire attention quand même. Cela forme ovale 37 par 44 7. Je vois que c'est les toilettes suspendues. 14,99 €. Donc les mules de bain femmes, hop, 3,89 €. Donc hommes et femmes, c'est 3,89, c'est les enfants, c'est 3,49. Donc on va retrouver cette couleur-là et du noir. Ah c'est bien, hein, j'en ai pris une, mais le modèle, je crois, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc on a tendance à, quand on n'a pas l'habitude, ça a l'air un peu gros et tout, mais on est super à l'aise dedans. Les étagères à suspendre ou panier de rangement, 7,99 €. Donc il y en a 4. On les a en gris. Après, on a ceux-là. Donc, ceux-là, il y a un plus long et des plus petits. Ça va dépendre de la façon dont vous allez organiser votre rangement. On les a en rose fuchsia. On a aussi ces étagères à suspendre avec trois niveaux. Pareil, on les a en gris ou en rose. 7,99 €. On va passer au vélo, équipement vélo. On a l'antivol pour vélo à 7,99 €. Deux clés incluses. La grosse chaîne là. Ensuite, on a, ça doit être la pompe à pied, 11,99 €. C'est pratique, hein, les pompes à pied. Beaucoup plus simple avec le manomètre. Les casques, 9,99 €. Alors il y a le casque avec feu arrière, ça c'est pas mal. On a les casques adultes LXL, après on a une taille SM. Et on a les casques enfants à 8,99 €. On l'a en gris et en rouge. Je suis en train de regarder celui-là. Oui, il y a le feu arrière aussi, ça c'est pas mal, hein. Donc on peut aussi évidemment faire du skate, du roller, du vélo, de la trottinette hein, avec. Hein. On a un autre casque, cette fois-ci, oh, c'est pareil, adulte aussi. Le set de nettoyage pour vélo, 5,99 €, petite mallette là pour nettoyer correctement son vélo. Les sacoches pour vélo, 5,99 €. Donc pour mettre sur la selle pour pouvoir ranger ses petits effets personnels, son téléphone, ses clés, la mini pompe, celle-ci c'est celle qui va rester sur le vélo, 6,99 €. Et on a aussi les outils multifonctions pour vélo. Moi j'en ai un comme ça, alors je le laisse à la maison, mais je me dis que je devrais le mettre dans une sacoche. J'ai acheté des sacoches il n'y a pas très longtemps parce que, bon, au cas où, en cas de panne, on a les éclairages à 9,99 €. Éclairage à LED pour vélo avant-arrière. Les pochettes pour mettre son téléphone, très pratique aussi. 5,99 €. On a celle-ci. Oh ben c'est les mêmes, 5,99 €. Les housses de selle à mémoire de forme pour être à l'aise sur son vélo, 4,99 €. Pour ça, obligatoirement, on en rajoute une. Pour être un peu plus à l'aise sur le vélo. Les gants de cyclisme, 3,99 €. La paire.
Et les sacs à dos de vélo, 17,99 €. Je regarde s'il y a quelque chose de particulier. Alors, qui dit sac à dos de vélo dit aussi qu'on peut l'utiliser au quotidien. Évidemment, donc c'est bien parce qu'il va y avoir ça pour maintenir à l'avant. Alors, à mon avis, il y a peut-être un petit truc en plus pour que ce soit vélo. Pourquoi il y a... Voilà. Là, c'est rigide. Donc, 17,99 €. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, je trouve qu'il y a des choses intéressantes, que ce soit salle de bain ou vélo, surtout vélo, équipement vélo. Je vous fais plein de gros bisous. J'ai oublié le vélo. Mais il ne faut pas que j'oublie, je suis passée devant. Il y a aussi le pied d'atelier pour vélo, 19,99 €, justement, pour bien prendre soin de votre vélo, donc en hauteur, réviser les freins, les pneus, etc. Plein de gros bisous à vous. Je vous dis à plus tard.